Salut, c'est Jean-Mimi. Eh bien, aujourd'hui, première revue de presse. C'est parti. Revue de presse. L'équipe qui nous dit que Henry est centenaire, puisque c'est sa 100e sélection. C'est pas vrai. Qui nous dit que Raymond Domenech déteste Léola. Non. Et aussi, on apprend que le comité de soutien d'Ingrid Betancourt a été obligé d'enlever son t-shirt à l'entrée. Comme ça, on pouvait voir leur tatouage. L'avis d'un expert, il faut convenir que l'on n'a pas réellement senti de monter en puissance pendant ce triptyque préparatoire. Triptyque. La blessure de Vieira qui occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup les journaux. On nous parle de Vieira. On nous parle de Vieira. Dans Le Parisien, on apprend que Thierry Henry jouait avec ses potes dans une chambre. En chaussettes avec une balle de tennis, le futur champion du monde 1998. Marquait des buts symbolisés par la fenêtre d'un côté et la porte fermée de l'autre. C'est vraiment très intéressant. Dans Le Figaro, ils ont livré une première mi-temps de grande classe, déployant un jeu souvent vif, inspiré et chatoyant. Et puis évidemment, on parle de Benzema. Benzema est génial, que Ribéry est extraordinaire. Benzema s'avère d'ores et déjà comme l'attraction numéro 1 des Bleus à 7 Euro 2008. C'est vraiment très intéressant. Et aussi, l'euro est une épreuve très exigeante qui ne laisse pas de place au romantisme. Roméo, pourquoi es-tu Roméo ? On continue avec le supplément François, où Thierry Roland nous dit « C'est dans l'adversité souvent que l'on retrouve les belles équipes. La France doit être de celle-là. » Merci Thierry. Dans François toujours, on apprend que les règles contre le tapage nocturne seront assouplies en Allemagne pendant la durée du championnat d'Europe. Les mecs, ils vont pouvoir gueuler toute la nuit dehors. En parlant de William Gallas, le trentenaire n'a jamais connu la défaite en bleu lorsqu'il était titularisé aux côtés de Lilian Thuram. Il faut les faire jouer ensemble, Raymond. Ici, on apprend que dans l'équipe de France, ils ont quand même des super jeux super géniaux. C'est vraiment très intéressant. Cocorico! Quoi d'autre ?